ancien président de la République a dit lui-même qu'il savait que des terroristes seraient infiltrés parmi les migrants et qu'il n'a pas arrêté le flot des migrants. Donc François Hollande, qui ne l'ignorait pas, il a pris une décision absolument criminelle de laisser les frontières ouvertes. Les premières personnes qui cherchent à se dédouaner et à détourner le regard sont précisément celles qui veulent nous imposer le silence, à savoir notamment Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Voilà, donc moi, je vous le dis très franchement, je ne céderai pas ce terrorisme intellectuel et je m'autoriserai, comme d'autres, à poser des questions, à exiger des actes et à pointer d'éventuelles responsabilités.